Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour cette cinquième vidéo de Forge Magie, dans laquelle je vais vous présenter quelques items, quelques tentatives que j'ai faites, et je vous ai mis voilà, une petite compilation, et j'ai pas spécialement choisi ceux qui sont bien passés ou ceux qui sont mal passés, donc vous avez un petit peu de tout. Tous les items n'aboutissent pas à quelque chose de correct, mais voilà, comme ça laisse un petit peu de suspense dans la vidéo. Bon visionnage! Alors, le PA vient de tomber sur une rune de résistance. En revanche, là, dans mon historique, je vois que j'ai récupéré du puits sur cette ligne, mais je ne me rappelle plus c'était avec quelle rune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que j'ai gagné 5 de puits là-dessus, mais j'ai un petit doute hein, tout de même. C'est dommage qu'on puisse pas savoir, en fait, qu'on n'ait pas moyen de savoir, quand on a un échec critique, quelle est la rune qu'on a tenté de passer, parce que dans l'historique, parfois, quand on veut recompter le puits, on est un petit peu embêté. Donc il faut être toujours attentif et idéalement en fait il faudrait que je filme en continu parce que là je filme que quand j'ai le PA qui tombe pour pouvoir recheck mon historique et savoir exactement combien j'ai. Bon je pars du principe que j'ai 5 et j'espère que ça va pas me porter préjudice pour la suite. Si des fois j'ai un beau jet et qu'il me reste quelques runes à passer, peut-être que je les passerai pas pour pas prendre de risques. On va voir ça. Bon dans tous les cas, dans l'hypothèse où j'aurais eu 5 là, ça veut dire que là j'ai 99. Et avec ces 99 on va pouvoir peut-être faire quelque chose de sympathique. Alors on va commencer par les deux cris, voilà, oh il y en a une qui crit, ça c'est assez rare, et ça fait plutôt plaisir. On va ensuite remonter la puissance, qui a également beaucoup de mal à passer, malheureusement, voilà. Donc là on est déjà à 24 de puits, et bon, moins 44, c'était le plus dur, on va dire, on a passé le pire, maintenant il va nous rester la vitalité à remonter tranquillement. Ça passe bien en général, hop. Et là, on devrait pouvoir aller tenter un petit over-raise avec ce qui va nous rester. Alors, ce sera peut-être léger, mais en tout cas, le jet est propre. Ok, ça crit, ça fait plaisir. Et plus que le tacle. Ok, moins 8. Donc, il nous reste 8 en tas, tout simplement. Bon, bah, du coup, je vais prendre le risque de passer les 8 en espérant que je ne me sois pas planté. Et 8, ok, je m'étais pas planté. Bon, c'est pas mal comme j'ai, hein. Bon, c'est pas fou. J'ai déjà eu des tentats bien mieux que ça, avec du 0 réécrit, mais bon, même là-dessus, sur un moins 12 propre, si on a un PA, c'est cool. Bah, on n'en a pas, dommage. Le PA vient de tomber sur une rune sagesse, ce qui nous monte en plus à 40 de sagesse, donc c'est assez propre. C'est sympa, on est parti donc bah, directement. Allez, hop, mode l'écrit. Oh, un succès crit, ça fait plaisir ça. Allez, oh! Oh! C'est beau. Ok, là il y a peut-être moyen d'avoir un truc vraiment pas mal. Il faudrait que ça passe. Le PA vient de tomber sur une rune Rahinée et qui nous montre l'intel à 74. On va essayer de la mettre à 84. Voilà qui est fait. Ce qui nous fait 84 de puits. Alors il faut que je récupère les 4 de puits, on va les prendre sur le tacle. Hop, ça c'est nickel. Ensuite, les deux feux. Moins 10. Hop. Donc 74 là. Ok, la Vita, on va pouvoir avoir un tout propre. On a les soins au max. Ça c'est cool aussi. On a. Oh, deux qui crit. Ça c'est pas mal. Moins 13 pour la Vita. Et il ne reste plus que les esquives PM. Et là, on a un jet qui est vraiment sympathique. Hein. Allez. Oh, ça passe encore très bien. Et ça nous laisse 54. Soit exactement. 9 tentatives pour des raies de feu. Waouh, ça allait vite, dis donc, si ça passe là-dessus. Allez, on tente. Si on a un jet propre qui sort. D'accord. Bah, c'est dommage ça. Très dommage, tant pis. On vient de faire tomber le PA avec une rune de sagesse. Et on est parti. On va essayer de remonter tout ça. Est-ce que je commencerai pas par la Vita, moi? Ouais, je vais peut-être commencer par la Vita. La Vita qui monte à 292, bon, je vais la laisser à 342, ce sera un peu léger. Mais ouais, j'ai encore pas mal de trucs en moi, quoique. Quoique. Non, allez, on va partir là-dessus, hop. On va essayer de choper beaucoup de résistance, ça pourra être à peu près correct au final. Ok, la Vita qui est pas très bien passée, on va essayer de remonter l'intel. Hop, ça crit, ça c'est cool. Les esquives PM, ça crit également. Dis donc, il y a beaucoup de choses qui crit sur cet item, j'ai l'impression. Waouh! Le soin, ça va être un peu délicat. Ok, j'ai rien dit. Ça nous laisse donc 75 depuis, ce qui nous fait, si je sais encore compter, 12 tentatives. Là, il y a peut-être moyen d'avoir un truc sympathique là. Hein. Alors, une, deux,
C'est une troisième. Non, bon, 2%, si ça passe là-dessus, ce sera quand même sympa. Un petit PA, ce serait cool. Hop, dommage. Le PA vient de tomber. Alors, j'ai passé un petit peu de temps à recalculer le puits qui me restait là, des lignes précédentes qui ont fait, où il y a eu beaucoup de modifications. Donc, normalement, j'ai 99. 99, et on a un G plutôt sympa. Là, je vais être obligé de faire un over Intel parce que 75, c'est trop bas pour moi. Ok. Ça passe, c'est sympa. Ok, ça crit. Nickel. Voilà, donc on a mis l'Intel au max. Maintenant, il va falloir partir en over Vita. Pas trop le choix là-dessus. J'ai pas compté le moins 10 Intel, il faut pas que j'oublie ça. Là, on a moins 20, on a les la Rainée et la Ravie qui sont passées. Ok, on va baisser la vitalité. Hop! Ah, j'aurais bien aimé avoir un moins 6 dès le début, ça m'aurait laissé à 350, c'est dommage, bon tant pis. La sagesse, ça, elle est 40. Hop! Moins 8. Ça, c'est plutôt cool. Et bah, on a déjà un truc pas mal là. On a déjà un truc pas mal. On est à 63 depuis, et il reste plus que l'esquive PM à remonter. Allez, hop! Ça ne crit pas. Bon, ça passe, c'est déjà ça. Et ça nous laisse 9 tentatives. 9 tentatives pour des résistances, et là on a du 80-40, c'est plutôt sympa. Hein. Allez, ça serait bien qu'on en ait au moins. Voilà, bon, bah 2, c'est bien. Si on a le PA là-dessus, moi ça me va. Et pas de PA, dommage. Le PA vient de tomber avec une rune, dommage feu, ce qui nous laisse 95 de puits. Et là on a un truc plutôt sympathique. L'intelligence est déjà vraiment bien, voilà, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'over. Bon, elle a quand même pris 22 puits pour remonter, mais c'est pas grave. La Vita, pareil, qui va arriver à 349, donc ça, c'est assez propre. Pour le reste, il faut remonter le tacle. Ok, ça ne crit pas. Il faut remonter les dommages, ça crit. Ça va être compliqué quand même. J'espère qu'il va nous rester assez de puits pour tenter quelque chose de correct. Les esquives. Ok, bon, moins 14. Bon, si le soin ne nous embête pas trop, il y aura peut-être moyen d'avoir un truc sympa. Bon, ce sera que deux tentatives, malheureusement. Mais c'est propre, hein, donc ça pourra toujours faire un truc sympa. Hop, allez, un petit PA. Et pas de PA. On vient de choper le puits PA avec une rune passable, mais malheureusement, là, ça m'a l'air très très mal parti pour pouvoir faire quelque chose de correct. Bah, je vais quand même essayer de l'exploiter, mais je le sens pas trop. Je le sens pas trop sur le coup là. L'Intel, ok, ça passe plutôt bien pour l'instant. On va remonter le tacle. Hop, voilà, ça me remet l'Intel à 80, c'est parfait. Je vais remonter la Vita. Hop, bon plomb. Oh, cela dit, ça a l'air quand même plutôt de bien passer pour l'instant. Peut-être qu'on va s'en sortir. Peut-être qu'on va s'en sortir, voilà. Ok, Lenny qui crit, inattendu. Bon, là on est bon. Les deux feux, allez, il faut en remonter deux. Oh, encore du crit, décidément. Moins 3, moins 8. Les raises, c'est parti. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Moins 18, l'esquive PM. Ce serait bien que ça passe vite. Moins 7, ok. On s'en sort, il me reste 34, et là le soin, ça va être un peu délicat. Et ça crit, génial. Génial. Donc là, on a un G propre. On est bon, il manque juste 3 de Vita, et on peut tenter 5 runes de résistance. Et malheureusement, eh bien ça ne passe pas des masses. C'est triste, et pas de PA ne crit pas. Le PA vient de tomber. On a un truc plutôt sympa là, parce qu'on a 96 de puits et un G qui est globalement correct. Les 77 d'Intel m'embêtent un petit peu, mais ça, je pense que ce serait trop coûteux de remonter plus haut, donc je vais laisser comme ça en espérant avoir plus de chances d'avoir des grosses résistances qui passent. Ok, la vitalité qui a été un petit peu capricieuse là, mais bon, ça ira. On va remonter, bah voilà, il reste vraiment pas grand-chose, hein. Un petit coup de tacle, ça nous fait du moins 4, et ça crit, c'est cool. Hop! Allez, une petite résistance R qui crit également, et plus que le soin qui m'enlève 22 puits, mais bon, ça va, ça aurait pu être pire. Ce qui me laisse 8 tentatives pour des résistances. Alors, je pourrais tenter... Ouais, je peux tenter une petite painée, même si bon, à 77, c'est extrêmement peu probable que ça passe. Mais bon voilà, pour pas gaspiller de puits, c'est toujours bien de le faire. Donc, mes 8 tentatives de résistance, allez. Sérieusement, c'est nul ça. Bon, 1% raise, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. Et on a le PA qui passe là-dessus. Est-ce que je m'arrête là? Ou est-ce que je tente un PO ou une invoque? Pas le PO, je peux pas une invoque. Je pourrais tenter une invocation. Je le ferai pas dans cette vidéo, je le ferai peut-être dans une autre. Donc on va s'arrêter là-dessus pour cet item. Voilà, le G ne me convient pas vraiment, mais j'en ai un peu marre de l'FM, donc voilà, si on veut avoir un meilleur G, ce sera pour une autre vidéo.
Ok, je viens d'avoir un puits PO juste après avoir terminé d'exploiter un autre puits PO, comme vous le voyez dans le chat là. Alors là, dans ce cas-là, il y a vraiment moyen d'avoir un truc extrêmement intéressant. Alors j'avais déjà un d'avant, je récupère 51, plus 2, moins 6, ce qui me fait donc 48 de puits. Là, pour le coup, je suis assez optimiste. Il y a peut-être moyen d'avoir un truc vraiment propre. L'habitat, je touche pas. L'intel, c'est un peu trop bas à mon goût, mais je vais la laisser comme ça parce que ça va trop me coûter si je veux la remonter. Les réécrits, pareil, c'est très risqué d'essayer de repasser de 24 à 25 avec des runes réécrits, donc on va laisser comme ça. Donc un jet qui sera pas ultra propre, mais qui va potentiellement laisser du puits pour tenter beaucoup de résistance. Donc on peut s'y retrouver au final. On peut s'y retrouver, là on se prend 1-6, hop, plus que le retrait PA, et on peut partir sur des résistances, donc je vais mettre des résistances feu. Moins 14, ce qui nous laisse 23, donc ouais, j'aurais bien aimé avoir 24, tant pis. On va pouvoir en tenter 3, ça va me laisser 5 de puits en rab, donc je vais faire 2 tentatives là-dessus. Ok, c'est pas grave, donc on a toujours 3 runes résistance feu, et ça ne passe pas malheureusement. Ça ne passe pas, et le PO repasse, donc bon, on a un G qui est propre, mais... Pas d'exorèse malheureusement. Bon, je fais ça pour un ami donc qui joue en PVM, donc à mon avis ça lui conviendra. C'est quand même très propre, hein. J'ai regardé en HDV, il n'y a aucun jet qui est propre comme ça, mais bon, moi j'aurais bien voulu des résistances avec. Tant pis, on va se contenter de ça pour le moment, mais je pense que je referai des sessions arc corrompu parce que c'est un item que je vais beaucoup jouer hein, sur mon ennemi feu. Il va me falloir des gros jets dessus. Voilà pour cet item. On va s'arrêter là pour cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup d'autres contenus qui va arriver en Forge et Magie. Pour ce qui est de la durée, j'ai choisi une dizaine de minutes et je pense que c'est pas mal. C'est ce que je compte vous faire de manière régulière parce que ça me permettra d'avoir un truc qui n'est pas trop long et en même temps qui me permet voilà, de vous sortir des vidéos assez souvent. Si en tout cas, si ça vous convient, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker la vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera très bientôt pour d'autres choses. Salut tout le monde!